Jézabel, tu t'en vas maintenant. Jézabel, je te commande au nom de Jésus. Sors de l'évêque. Libère-la, libère-la. Enlève les boudrées. Sors dans le nom de Jésus. Je maudis ta base. Je maudis tes œufs. Jézabel, je t'ai démasqué dans la vie d'Evelyne. Aujourd'hui, je le proclame. Ton règne prend fin dans sa vie. Aujourd'hui, j'en donne au nom de Jésus. Ton règne prend fin dans sa vie. Jézabel, sors d'elle. Maniwata, sors d'elle. Délie les fatans. Délie les fatans. Je déchire l'acte d'impunicité. Je déchire l'acte de mondanité qui était dans sa vie. Sors d'elle, va-t'en au nom de Jésus. Sors d'elle. J'entends que le feu de la colère de Dieu s'abatte contre toi. Je t'affaible, je te frappe d'aveuglement. Et j'entends que tu sors d'elle. Libère les va-t'en. Je s'appelle, libère les va-t'en. Comment tu as eu accès à sa vie? Par l'esprit pur. Comment tu as eu accès à sa vie? Par l'esprit pur. Comment tu as eu accès à sa vie? Comment tu as eu accès à la vie des villes? Je s'appelle. Fais vite. Quel est le moyen par lequel tu as eu accès à sa vie? C'est pas les mèches. Tu lui as volé sa virginité. Regardez les sifflements, vous entendez les sifflements, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. C'est un démon, c'est elle qui pousse les femmes à mettre de la cheveux sur elle. C'est elle, Jézabel, qui pousse les femmes, regardez, à mettre des cheveux sur elle. Vous avez vu, et elle détruit la vie des gens, des enfants de Dieu. Alléluia. Jézabel, Jézabel, retire tous tes artifices dans le nom de Jésus. Vous avez vu, on ricane, vous avez vu. Vous avez vu que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est comme ça que les démons tiennent la vie des enfants de Dieu en captivité. Et quand les enfants de Dieu meurent et qu'ils ne sont pas dans la vérité, Jézabel se prend, elle prend leur âme et puis elle les jette en enfer. Et puis les torture, les torture. Les gens crient, mais c'est trop tard. Ils pleurent, Jésus, sauve-moi. Donne-moi une seule seconde, je vais me répondre. Mais c'est trop tard. Jézabel, comment tu as eu accès à sa vie? Pas le nom de Jésus. Jézabel, dis-moi, toutes les femmes qui mettent des mèches, si elles meurent, ils iront où? Par le nom de Jésus, je délie ta langue. Toutes les femmes qui mettent des boucles d'oreilles, toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles, elles meurent, iront où? Par le nom de Jésus, Jézabel. Elles iront où? Par le nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont pasteurs, si elles meurent, iront où? Toutes les femmes qui sont pasteurs, si elles meurent, elles iront où, Jézabel? Tous ceux qui célèbrent la Noël, le 31 décembre, la Saint-Valentin, s'ils meurent, ils iront où? Par le nom de Jésus. Jézabel, ils iront où? Surtout, ne prenez pas. Tous ceux qui perdent leur virginité avant le mariage, qui ne se répondent pas, s'ils meurent, ils iront où? Vous avez entendu, mes enfants? Voici la vérité qu'on ne veut pas vous prêcher dans vos églises. On n'a pas de voiture, on n'a pas de pain dans ma voiture. Ah, va, voici après un morceau de pain dans ma voiture. Je fous le pouvoir. Je dois avoir quelque chose à prendre pour la couper. On est obligé de lui enlever les mèches. Tu ne vas pas partir. On est obligé de lui enlever les mèches. Regardez, les mèches là, ce sont les enfants de Jézabel. Ce sont des serpents. Jézabel, comment tu rentres dans sa vie? Comment tu rentres dans sa vie? Comment tu rentres dans sa vie? Par le nom de Jésus. Par quel moyen tu rentres dans sa vie? Comment tu rentres dans sa vie? J'entends que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Feu! 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 Feu du Saint-Esprit. Comment tu rentres dans sa vie? Comment tu rentres dans la vie d'Evelyne? Comment tu rentres dans la vie d'Evelyne? Regarde, regarde. Dans le coffre à gants, dans le coffre à gants, j'ai une boîte pour couper les ongles, il y a un ciseau dedans. Viens, on va lui enlever les mèches. Comment tu rentres dans sa vie? Tu lui as volé sa virginité. Tu lui as volé sa virginité. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quel est le moyen par lequel tu rentres dans sa vie? Par le nom de Jésus. Tu lui as déjà volé sa virginité. Ce sont les mèches. Je lui faisais porter des pantalons de collant. Jézabel, par le nom de Jésus. C'est la dernière fois que je te pose cette question. Après, je vais tuer tous les enfants qui sont sur sa tête. Je vais tuer tous tes enfants qui sont sur ta tête. Rends-lui tout ce que tu l'as voulu. Je te commande au nom de Jésus. Je te donne maintenant, tu prends tes mains et tu retires d'elle tous tes artifices. Tu retires d'elle tous tes artifices. Dépêche-toi. Retire d'elle tous tes artifices de séduction. Retire d'elle au nom de Jésus. Tu as 3 secondes. Après la troisième seconde, je ne dépendrai plus de moi. Dépêche-toi, Jézabel. Retire tout ce que tu l'as donné comme outil de séduction. Retire les faux cils. Retire les faux hommes. Retire les vêtements sexy. Retire le dernier nom de Jésus. Fais vite. Est-ce que ça se trouve la boîte à gants?
Dépêche-toi. Retire tous tes instruments de séduction que tu as mis sur elle. Retire-les d'elle. Prends tes mains. Il est dit en Philippiens 2, versets 10 à 11, que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, tout genou fléchit sur la terre, tout genou fléchit dans les profondeurs de la terre, tout genou fléchit. Je veux tuer tes enfants. Je leur donne la mort au nom de Jésus. Je donne la mort à tous tes enfants au nom de Jésus. Il y a pas une lame dedans. Je donne la mort à tous tes enfants au nom de Jésus. Tu sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle. Enlève tous tes artifices d'elle. Retire tous tes artifices de séduction dans le nom de Jésus. C'est la première armée du maquillage. Les mèches. Rejoignez Jésus, tu es en train de voir en direct ce qui se cache derrière les mèches, les pantalons, les collants, ce qui se cache derrière toutes ces vanités que j'ai citées, les bagues, les bijoux. Jézabel, dis-moi, tous ceux qui portent des bagues de mariage, quand ils meurent, ils vont où? Parle au nom de Jésus. Jézabel, parle au nom de Jésus. Tous ceux qui mettent des bagues de mariage, quand ils meurent, ils vont où? Ouais. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que ses enfants touchent à la vanité. T'as trouvé pas? Je donne la mort à tous tes enfants. Je saisis l'épée du grand carnage. Et tous les enfants que tu as eu avec elle, je leur donne la mort au nom de Jésus. Je les fais passer par le fil de l'épée au nom de Jésus. Je leur donne la mort au nom de Jésus. Je leur donne la mort au nom de Jésus. Je leur donne la mort au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'elle sorte de ton royaume. Elle ne fait plus partie de ton royaume. Son nom est effacé devant le sanctuaire. Son nom est effacé devant le sanctuaire. Son nom est effacé devant le sanctuaire. Elle ne fait plus partie de votre prison. La gloire de l'Éternel la retire de vos prisons. La gloire de l'Éternel la retire de vos prisons au nom de Jésus. Pour la libérer. Elle n'est plus des vôtres. Le sang de Jésus efface son nom. Je renverse vos hôtels. Je renverse vos hôtels. Je mets le feu dans vos sanctuaires. J'ordonne que l'ange de l'Éternel vous pourchasse, qu'il vous saisisse par la gorge et qu'il vous frappe au nom de Jésus. La mort est votre partage. Vous lui restituez tout ce que vous avez volé. Son intelligence, son PPC, son bac, ses grâces, son mariage. Vous lui rendez sa paix, sa fécondité, sa stabilité au nom de Jésus. Vous lui rendez tout ce que vous l'avez volé et vous sortez d'elle au nom de Jésus. Nous ne voulons plus jamais vous voir dans sa vie. Libérez-les, sortez d'elle au nom de Jésus. Je mets le feu à tous les enfants que tu as eu avec elle. Je déchire l'acte de séduction qui existait entre elle et toi au nom de Jésus. Je déchire l'acte de séduction qui existait entre elle et toi au nom de Jésus. Prends ton temps, tu coupes, tu sais où on coupe, non? Voilà, faut pas couper ses cheveux. Aujourd'hui même, vous sortez d'elle au nom de Jésus. Jézabel, ton règne prend fin dans sa vie. Aujourd'hui même, je le déclare, tes fondements sont renversés. Tes autels sont renversés. Tes idoles prennent feu. Je mets le feu dans ton royaume. J'entends que les 10 plaies d'Égypte viennent frapper ton royaume au nom de Jésus. Que les sauterelles dévorent tes champs. Que les grenouilles viennent te déchirer. Qu'il y ait du sang dans tes os. Et que tes os tarissent au nom de Jésus. Tes os tarissent au nom de Jésus. Jézabel, tu la libères maintenant. Sors d'elle. Plus rien ne te lie à elle. Je t'en donne au nom de Jésus. Maintenant, tu sors d'elle. Nous avons donné la mort à tous tes enfants. Nous déchirons l'acte de sédition qui existait entre elle et toi. Je saisis l'épée du grand carnage. Et je brise les chaînes. Je déclare aujourd'hui que le décret de la séduction, le décret de la débauche, le décret de la publicité est déchiré au nom de Jésus. L'acte lien de sang est déchiré au nom de Jésus. Le décret de la publicité est déchiré au nom de Jésus. Le décret de la nudité est déchiré au nom de Jésus. Le décret de la débauche est déchiré au nom de Jésus. Aujourd'hui, ton règne prend fin à ça. Sors d'elle. Je maudis ta race. J'annule ton programme dans sa vie. Ton règne prend fin dans sa vie. Sors dans les nourritures. Fais ton pied, va-t'en. Libère Evelyne. Elle n'est plus ton agent. Elle est maintenant servante de Dieu.
Nous dédions son âme au Seigneur Jésus. Nous dédions son corps au Seigneur Jésus. Nous dédions son esprit au Seigneur Jésus. Tu pries bagage et tu t'en vas. Libère-les, va-t'en. Fais vite. 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 Sans sortir. Retourne dans les profondeurs des abysses. Va dire à ton maître Lucifer que tu es chaud dans sa vie. Aujourd'hui, ça n'est fini pour toi. Elle n'est plus ta servante. Maintenant, Isabel, allez, sors d'elle. Allez, va-t'en. Allez, sors d'elle. Fais ton pied, va-t'en. 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 Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Retourne dans les profondeurs des abysses. Va dire à Lucifer que tu es chaud dans la vie des vies. C'est fini. Aujourd'hui, le Seigneur a fait lui s'assagner afin de la libérer. Tu sors d'elle. Tu sors d'elle, je ne veux plus jamais te voir. Retire tous tes artifices de séduction d'elle. Retire tes anneaux d'elle. Retire tes chaînes d'elle. Brise tes chaînes. Rends tes liens. C'est fini, elle. Le sang de Jésus efface son nom. Et la fête disparaît de ton sanctuaire, marais. Et je déclare qu'aujourd'hui, elle n'est plus un agent de séduction. Elle est maintenant une femme qui craint Dieu. N'est-il pas dit en Proverbe 18 au verset 22 que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et que c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel? Oui, elle, c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur permet qu'aujourd'hui nous la retrouvions afin qu'elle serve Dieu en esprit en vérité. N'est-il pas dit dans le livre de Proverbe 31 au verset 30 que la femme qui craint l'Éternel est celle que lorsqu'il sera loué et que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine? Fais sortir cette beauté d'elle. Nous ne voulons pas de cette beauté. Enlève les yeux de séduction. Ce que tu as mis dans ses yeux qui a attiré les hommes à elle, retire-les. Je te commande au nom de Jésus de les retirer. Fais vite. J'évoque le sang de Jésus dans ses yeux. Fais vite. Je casse tes yeux. Casse tes yeux. De ses yeux. Redonne-lui ses yeux véritables. Ce que tu avais caché, retire-les. Retire-les d'elle au nom de Jésus. Je sais bien, je te demande au nom de Jésus. Retire, rends-lui ses yeux. Enlève ces paroles bielleuses que tu as mis dans sa bouche. Cette voix de séduction que tu as mis dans sa bouche. On appelle quelque chose. Le fond. Prends-moi quelque chose là-bas, un carton. Regardez le carton qui est là-bas. Vous pouvez une partie, amenez ça rapidement s'il vous plaît. Isabelle, aujourd'hui c'est fini, tu étais démasqué. Aujourd'hui tu étais démasqué au nom de Jésus. Ça n'est fini pour toi. Ça n'est fini pour toi. Ce langage de séduction que tu avais mis en elle, ça. C'est fini, aujourd'hui tu étais démasqué. Amenez ça. Allez, vomis. Tu nous vomis la séduction. Coupe ça un peu. Coupe un peu à moitié. Il y a des choses qui vont sortir de sa bouche. Allez, vomis. Fais vite. Voilà, merci. Allez, vomis. Vomis tout ce que tu as mis dans sa bouche. Qui était lié à la séduction. Ouvre la bouche et vomis. Allez, vomis tes semences. Je te commande au nom de Jésus. Ces paroles mielleuses remplies de séduction. Quand les jeunes garçons entendent sa voix, ils la désirent, ils la convoitent. Allez, vomis cette semence. Vomis cette semence au nom de Jésus. Je te commande au nom de Yahushua Mashiach. À l'instant même, tu me vomis cette semence. Ouvre la bouche et vomis-la. Ouvre la bouche et vomis la séduction. Vomis l'impudicité. Vomis la débauche, la prostitution. Allez, vomis ce langage de séduction que tu lui avais donné. À l'instant même, je te commande de le vomir. Fais-les sortir dans le nom de Jésus. Allez, vomis. Allez, vomis toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu. Rappelez ton lettre, pas de toi, juste après. Allez, vomis au nom de Jésus. Allez, prends en grande quantité. Allez, vomis toutes ces choses au nom de Jésus. Fais sortir la semence de la séduction d'elle. Nom de Jésus. Vomis maintenant. Maintenant, enlève la bague que tu as mis à ses doigts. Et toi là, c'est bon. Enlève la bague que tu l'as mis aux doigts. Vous voyez ça, ça c'est des démons. Vous touchez ça, la tête si tu. Vomis tout au nom de Jésus-Christ, tu vomis maintenant. Ah non, c'est pas fini, oulala, je pensais que c'était fini. Amène-moi le carton là. Tu vomis maintenant. Allez, vomis toutes tes semences au nom de Jésus. Vomis toutes tes semences au nom de Jésus. Fais vite. Allez, vomis la séduction. Ma soeur, enlève les boucles d'oreilles là. Enlève les boucles d'oreilles. Sinon, si elles sortent, elles risquent de te posséder. Enlève, si vous avez des perles, des bijoux, des bagues, retirez-les. Sinon, si Jézabel sort, elle va rentrer dans votre corps. Elle ne va pas vous louper. Voilà, laisse. Allez, vomis tout. Bois le sang de Jésus. Et pendant que tu bois le sang de Jésus, tu vomis toutes tes semences. Mets ça de l'autre côté où il y a les zèbres là-bas. Allez, rends tout. Fais tout sortir d'elle. Maintenant, je te donne au nom de Jésus. Tu retires tes anneaux d'elle. Je te commande au nom de Jésus. Tu retires tes anneaux d'elle. Tu prends ta main droite et tu retires ce que tu as mis dans sa main gauche. Et tu prends ta main gauche et tu retires tous les anneaux que tu as mis dans sa main droite. Et tu retires. Tu me brises tes chaînes qui sont à ses pieds. Fais au nom de Jésus. Venez voir, regarde ses yeux. Je sais faire. Alléluia. Jézabel,
Dis-moi, nettoie un peu sa poitrine. Regarde sa poitrine, il y a des choses. Prends le papier toilette. Josabel, qui est le démon territorial qui règne ici? Qui est votre chef ici? Quel est son nom? Pas le nom de Jésus. Fais vite. Qui est votre chef ici? Donne-moi son nom. Et je veux savoir, il y a combien de démons dans sa vie? Pas le nom de Jésus-Christ. Isabelle veut se laisser la peau à Abraham et me faire des yeux. Tu es vaincu au nom de Jésus. Non, je vois le feu, le feu le sang de Jésus dans tes yeux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans tes yeux. Dis-moi, qui gouverne la ville de Zanier? Quel est son nom? Pas le nom de Jésus. Pas le nom de Jésus-Christ. Qui est-il? Regarde, j'ai ma serviette. Qui est le chef suprême de Zanier? Quel est son nom? Pas le nom de Jésus. Qui est-il? Je ne connais pas. Comment ça, tu ne le connais pas, Jézabel? Je suis la tutelle de quelqu'un ici, n'est-ce pas? Je suis la tutelle de quelqu'un ici, n'est-ce pas? Je te pose la question la dernière fois. Après, je vais t'arracher le cœur. Qui contrôle cette ville de Zanier? Regarde-moi. Qui contrôle cette ville? Pas le nom de Jésus. Qui contrôle cette fille? C'est l'esprit de maman. C'est l'esprit de maman qui contrôle cette ville. C'est la sirène maman qui contrôle cette ville. Vous êtes toutes à sa tutelle ici. C'est elle, n'est-ce pas? C'est maman qui contrôle cette ville, n'est-ce pas? D'accord, toi, comment tu rentres dans la vie d'Evelyne? Comment tu rentres dans la vie d'Evelyne? Je te donne 3 secondes. Si après les 3 secondes, tu ne me réponds pas, je vais saisir l'épée aiguë de Jésus. Je vais t'arracher le cœur. Et je vais demander à ce que des grenouilles dévoilent ton cœur. Comment tu es rentré dans la vie d'Evelyne? 1, 2, 3. Je saisis l'épée aiguë de Jésus. Je te pèse le cœur. Je te pèse le cœur. 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 Je te pèse le cœur. J'arrache ton cœur. Et je te le donne à dévorer. Dévore ton cœur, puisque tu aimes la chair humaine et que tu aimes le sang humain. Vérifie si elle n'a pas un collant. Oui, elle en a. Elle a un collant. C'est Ah, c'est pour ça qu'elle rigole là. On sera obligé d'enlever le collant. Oui. D'accord. On va se tourner. Toi, tu t'aides toujours. On va se tourner. Enlève ça. C'est maintenant d'être ta force. Je paralyse tes mains au nom de Jésus. Fais si tes mains maintenant. On va le faire maintenant sur tes mains maintenant. C'est pas le collant à quelqu'un, il calme. J'enlève ça. Et puis tata, tu viens de pas là. Et bien ton sang sur lui. Ton sang neutralise, détruit toutes les ténèbres. Tu vois ce qu'il s'est avéré, les collants, les mèches, les boucles, les bijoux. Et c'est ce qu'on est venu enseigner ici. Et les gens ne veulent pas supporter la vérité. Mais bah, est-ce qu'on peut avoir votre nouveau? Oui, je te laisse ma carte de visite. On est là jusqu'en fin de semaine. On est venu pour 2 semaines de croisade ici. On n'arrête pas de dire aux gens, ne vous trompez pas. Venez à Christ. Ne vous trompez pas. Toi, tu donnes ça à ton frère. Voilà, c'est ça. Quand elle va revenir à elle, c'est pour elle. Ne vous trompez pas. On a YouTube. On a notre chaîne YouTube. Guises comme sous TV. Et puis Réveil International, Jésus revient. Voilà. Vous allez sur YouTube, allez découvrir beaucoup d'enseignements sur la sainte doctrine. Beaucoup de choses extraordinaires, des témoignages, des exhortations, des guérisons, des délivrances. En tout cas, le Seigneur fait des choses. Et le rassemblement de toutes les brebis du Seigneur Jésus autour de la sainte doctrine. Alléluia. Je sais que vous aimez la vérité. Je sais que vous aimez le Seigneur Jésus. Vous avez. Dis-moi, comment tu regardes ça à sa vie? Comment tu rentres dans la vie de Jésus, Jézabel? Par le nom de Jésus. Faire vite même. Comment tu rentres dans la vie de Jésus, Jézabel? Faire vite. Comment tu rentres dans sa vie? Jézabel, comment tu rentres dans la vie de Jésus? C'est quoi? Par le sexe? Par le sexe? De vous deux, qui est son copain? Tu sais. Tu sais. C'est pas le sexe, c'est toi qui lui as volé sa virginité. Jézabel, tu lui as volé sa virginité. Je mets le feu à ton royaume. 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 J'en donne que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Feu! 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 Il est dit en Matthieu 18 au verset 18 que tout ce que nous allons dire sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons dire sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, je t'en donne au nom de Jésus, tu l'as dit. Guéris-la.
Denis là, retire tous tes artifices de séduction d'elle. Je te commande au nom de Jésus, retire tous tes artifices de séduction d'elle. Je brise tes chaînes. 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 Je brise tes chaînes.